Ceci est impénétrable, c'est un autoportrait. Il est constitué de 25 tirages papier. Ce sont mes pieds. J'ai travaillé longtemps comme reporter photographe et je travaillais en argentique. Je mettais le film dans l'appareil photo et je prenais 3 photos pour rien. Quand je prenais ces photos, évidemment, l'appareil était tourné vers le bas. J'allais au laboratoire récupérer mes photos, ça c'était des diapositives parce que je travaillais pour l'imprimerie, et je constatais que ces photos, les 3 premières photos souvent étaient assez belles, étaient très bien cadrées. J'obtenais par hasard bien sûr, des cadrages assez exceptionnels comme celui-ci par exemple. Bon, je fais un peu de pub pour Nikon, mais tant pis. Et donc j'ai conservé ces photos. Je les ai conservées en me disant qu'un jour, sans doute, je les montrerai. Alors j'étais un petit peu mégalo, je me suis dit que je les montrerais sur les grilles du Luxembourg en 2 mètres sur 3, mais effectivement, elles n'y sont pas encore, donc je les montre ici. J'ai visité le Népal, donc d'abord je commençais par Katmandou. J'ai visité le temple Swayambhunath qui est à peu près 5 km de Katmandou. Et puis j'ai fait un peu le tour du Népal avec Lumpini, avec la montagne. J'ai fait le trek dans la vallée du Katmandou. J'ai été très touchée par le peuple népalais, par leur hospitalité, leur gentillesse. Et je suis revenue avec des idées, des images plein la tête, de très bons souvenirs. Ouais, ça va. Ceci est un panneau qui représente des photos de Londres. Ces photos ont été prises bougé, c'est-à-dire que j'ai utilisé le retardateur de l'appareil et 12 secondes après, j'ai balancé l'appareil dans tous les sens et les photos ont été prises et ont été prises par hasard, et on obtient quand même un mouvement, on obtient une ambiance. C'est le parcours de la banque Lloyds de Londres jusqu'au quartier de Saint-Paul. Et on peut voir l'évolution de la photographie. Ici, c'est le photographe qui prend sa photo, qui dirige les opérations. Et maintenant, on arrive en 2015, on est à la Tour Eiffel, et on voit un très grand nombre de touristes qui prennent eux-mêmes des photos, qui se font des selfies avec des tas d'appareils bizarres. Ils ont des cannes au bout desquelles ils mettent l'appareil photo. Et ça, tout ça fait un remue-ménage. C'est l'évolution de la photo, c'est du numérique, c'est tiré sur du papier ordinaire et c'est de la couleur, et c'est tout à fait l'inverse de ce beau papier barité noir et blanc des photos de Londres. Plein de jeux pour les enfants. Est-ce que c'est ça exactement? Oui. Ça, c'est des maisons qui sont détruites et délabrées. Et une fois qu'ils sont détruits, c'est devenu un espace immense. Donc, du coup, les enfants jouent soit au foot, soit au cerf-volant, soit des fois des petites voiturettes qu'ils fabriquent eux-mêmes et puis qu'ils courent. Donc, j'ai demandé, est-ce que ça vous n'avez pas peur? Donc, du coup, ils ont dit non, même au moment de tremblement de terre, comme on ne savait pas ce qui s'est passé. On n'a pas peur, on voit seulement que les motos qui tombaient, mais nous, on ne savait pas que c'est du tremblement de terre, ils n'avaient pas peur. Ce travail est constitué de 24 tirages. Ce sont les 24 statues qui ornent le toit de la cathédrale de Milan. Donc ces photos ont été faites avec le retardateur, d'un geste de bas en haut. Ces photos donc symbolisent peut-être la spiritualité, l'élévation.
on peut même voir qu'il y a une des statues qui est arrivée à décoller, à se détacher de son socle. Oui, ce tableau, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est entre la vie et la mort, c'est la crémation. Et en face, vous voyez le plan, premier plan, c'est des gens qui préparent des offrandes pour offrir aux moines, aux personnes, aux moines qui officient la crémation, que le moine à son tour va offrir à Dieu. Donc je suis très émue et je suis très sensible. Il y a énormément de fumée qui brûle et puis les fumées qui s'en vont dans le ciel. Et bon, il y a d'autres parties, des familles qui sont en pleurs. Et en même temps, là, comme c'est l'hindouiste, le Népal, 80% c'est l'hindou. Donc, ils ont toujours fait ça au bord de la rivière, parce qu'après la crémation, ils jettent le cendre dans l'eau. Donc, c'est un petit peu entre la vie et la mort. Enfin, c'est deux plans. Un premier plan, c'est la vie. Et le deuxième plan, c'est la mort. Donc, c'est pour eux, c'est la mort. C'est une sorte de renaissance. Enfin, ils pensent déjà à la renaissance future. Donc, ils n'ont jamais peur de la mort. C'est bon, bien sûr, les gens qui sont, la famille, ils sont en pleurs un petit peu, mais pour eux, c'est une délivrance parce qu'il va passer à une autre étape de la vie.